Monsieur le Président du Comité d'organisation, Mesdames et Messieurs les chefs de parti et alliances, Mesdames et Messieurs les invités en vos qualités respectives, chers amis du PRD, Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse, à tous, je voudrais dire, surtout aux militants du PRD venus de partout, mais quoi bon? Je voudrais dire à ceux venus de plus loin encore, au fond de la caillou, je suis heureux d'être ici, c'est vrai, pour assister à l'ouverture de cette importante activité du PRD. Et le PRD nous a habitués à organiser cette manifestation depuis de nombreuses années. Je suis heureux, Monsieur le Président, parce qu'ici, avec vous, je me sens à la maison. Je me sens chez moi. Permettez-moi, avant tout propos, de remercier le PRD et son président, M. Adrien Houmbedi, pour m'avoir honoré ainsi que notre alliance de cette invitation à la présente cérémonie d'ouverture de leur université de vacances. Je saisis cette occasion pour adresser mes voeux de succès à tous, président d'honneur du PRD, membre de la direction exécutive nationale du PRD, membre du bureau politique national du PRD et à tous les militants du PRD. Monsieur le Président et chers amis du PRD, je voudrais saluer ici votre prouesse pour avoir réussi à ancrer dans vos pratiques l'organisation fréquente des universités de vacances. Incontestablement, vous indiquez par là à tous les Béninois et à la classe politique de notre pays ce que l'honorable Accotaillon a rappelé tout à l'heure, l'importance de la formation et de la réflexion dans l'animation du débat politique avant toute décision et bien sûr avant toute action. Ce travail de formation et de réflexion militante, le PRD le fait depuis de nombreuses années, était une excellente chose pour la démocratie de notre pays. Ceci, le PRD le doit à son président, Maître Adrien Houmbedi, qui par son charisme, son courage et sa vision a su pérenniser une telle manifestation, mais aussi et surtout fidéliser un électorat que tous nous lui envions. Je sais que cette formation de la base militante, cette réflexion permanente sur les sujets d'actualité politique qui ont fait, qui font et qui continueront de faire la force de votre parti, c'est une excellente chose, Monsieur le Président. Les dernières échéances électorales l'ont démontré de la meilleure des manières. Tous ceux qui croyaient avoir anéanti le PRD en ont eu pour leurs frais. Et c'est une bonne chose. C'est ici pour moi l'occasion, une fois encore, de féliciter le PRD pour ses succès électoraux. Et particulièrement, Maître Adrien Houmbedi, président du PRD, pour sa troisième élection en un quart de siècle à la présidence de l'Assemblée nationale de notre pays, le Bénin. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, il y a un an, lors des mêmes universités, nous avions fait une allocution pour dire ce que le professeur Nabo a rappelé tout à l'heure, le message qu'il a porté tout à l'heure à cette Assemblée. Nous voulons le répéter encore. À l'occasion de l'élection du président Adrien Houmbedi à l'Assemblée nationale,
un partenariat, une coalition aidée. Nous voulons que cette coalition se poursuive. Cette coalition se poursuive et qu'elle forge autour de Maître Adrien Ouvédi et de tous les autres partis un partenariat solide. C'est ce que nous avions dit l'année dernière, alors même que le parti, le PRD, était au plus bas. Aujourd'hui, il est au plus haut. Je suis donc venu ici en personne vous dire sans détour le profond souhait de notre alliance de se retrouver aux côtés du PRD et des autres partis et alliances pour ensemble gagner le combat de février-mars 2016. Je suis venu vous demander que nous traduisions en acte notre volonté commune de gouverner autrement le Bénin pour gagner les élections présidentielles de 2016 et offrir enfin à notre pays et en particulier à notre jeunesse ces dividendes de la démocratie que nous attendons et qu'ils attendent depuis de nombreuses années. C'est sur ces mots donc que je souhaite bonne délibération aux membres du PRD, aux militants du PRD. Je vous souhaite plein succès à vos travaux. Vive le PRD, vive le Bénin. Je vous remercie.